Nous devons faire en sorte que la discipline soit vraiment le mot d'ordre pour chacun des candidats et chacun des militants, et que nous serons véritablement intraitables concernant les candidatures indépendantes. Et je voudrais signaler qu'il n'y a pas lieu d'avoir des candidatures indépendantes, compte tenu de tout ce qui a été fait dans le processus de sélection. Certains d'ailleurs qui n'ont pas été retenus m'ont interpellé. Et j'ai passé des week-ends à les recevoir et à leur expliquer que cela était nécessaire pour l'équilibre et pour le rassemblement, pour l'élargissement du parti. Donc je pense que ceux à qui je m'adresse me comprennent bien. Mais je sais aussi qu'il y a des querelles personnelles entre les responsables dans tous les partis politiques. Quand quelqu'un n'est pas retenu, il se débrouille, il cherche quelqu'un, il soutient pour être candidat indépendant. Alors si on attrape un responsable, si j'attrape, alors je vais prévenir les uns et les autres. Si j'attrape des gens qui manipulent les militants pour être des candidats indépendants, ce n'est pas seulement le candidat indépendant qui aura affaire à moi, mais c'est les manipulateurs qui auront également affaire à moi. Donc, à bon entendeur, salut!